Une des difficultés dès qu'on utilise le mot croyance, c'est que dans notre société occidentale, en tout cas, ce mot croyance a tout de suite une dimension péjorative. Parce qu'on va tout de suite, en tout cas au moins dans notre inconscient collectif, on va opposer la croyance à ce qu'on estime être la vraie connaissance, c'est-à-dire la connaissance scientifique, et même pour être plus précis, la connaissance mathématique. Et donc tout ce qui échapperait à la possibilité d'une connaissance mathématiques serait de l'ordre de l'irrationalité, et comme l'être humain essaye de se concevoir comme un être rationnel, ça a une dimension péjorative. Donc la croyance, le premier élément qui vient à l'esprit quand on utilise le mot croyance, c'est un peu, mais alors on a envie de voir ça d'une manière un peu péjorative. Donc je ne peux pas être un croyant, puisque ce serait d'une certaine manière être une espèce de un sous-homme. Hein, finalement, si je suis un homme accompli, je n'ai pas besoin de croyance. Je me fie uniquement à ma rationalité. La croyance, d'une certaine manière, elle est quand même pour moi en deçà de la foi. La croyance, ça peut être sur tout un tas de choses. On peut avoir des croyances sur l'histoire de l'humanité est traversée par les croyances, parce que l'être humain, je crois que c'est une citation de Kierkegaard, me semble-t-il, dit que l'être humain est une interrogation angoissée vers la transcendance. L'être humain cherche à comprendre pourquoi il est sur cette terre, quel sens ça a, et c'est pas pour rien si historiquement on parle d'humain à partir du moment où il y a cette question autour de la mort, du sens de la mort. Donc la croyance, on peut avoir toutes sortes de croyances. La foi, pour moi, est d'une autre dimension parce qu'elle est une confiance. Je mets librement ma confiance, et par exemple pour nous chrétiens, dans une parole qui a été transmise depuis des générations et qui vient de Jésus-Christ. Si on dépasse un peu ce qu'on appelle le divertissement pascalien, c'est-à-dire le fait on peut s'enivrer toute sa vie, dans toutes sortes de plaisirs, surtout dans notre monde occidental. Alors, je sais que beaucoup de gens vivent des situations extrêmement douloureuses, surtout dans cette période, mais on peut d'une manière, par bien des manières, on peut s'enivrer. On peut s'enivrer de télévision, on peut s'enivrer d'images, on peut s'enivrer d'alcool, on peut s'enivrer de... Et donc, échapper à ce questionnement. Il n'en reste pas moins que ce questionnement nous taraude. Et c'est tellement vrai que beaucoup de philosophes en ont parlé, hein, de cette solitude de l'être humain, notamment au moment de la mort. La mort se vit toujours seule. Et il y a cette question quand même qui nous taraude au fond de nous. Quel sens tout cela a-t-il? Alors on peut répondre, hein, des philosophies l'ont fait en disant aucun. Voilà, aucun. Et évidemment, ça entraîne évidemment derrière une espèce de pessimisme, enfin de vision très, très éloignée, très distanciée des choses. Et puis on peut essayer de trouver un sens. Nous avons au fond de nous un besoin de comprendre. Nous voulons comprendre les choses. Nous voulons comprendre le mal. Pourquoi est-ce que un petit enfant est atteint d'une leucémie? Pourquoi est-ce que... Enfin voilà, nous voulons comprendre le mal. Nous voulons comprendre pourquoi les événements s'enchaînent. On a envie de comprendre. Est-ce que c'était inscrit dans les astres? Ça devait se passer comme ça? Est-ce qu'il y a une espèce de grande machinerie? Et donc cette interrogation. Et cette interrogation, qui je pense est inhérente à l'être humain, évidemment, sa dimension la plus verticale, la plus vertigineuse pour nous, c'est l'interrogation face à la mort. S'abreuver de toutes sortes de mots, de livres, de plaisirs, il n'en reste pas moins que cette réalité fondamentale de la confrontation terrible avec la mort est une expérience commune à toute l'humanité. Et donc, elle nous pose immédiatement la question, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui a du sens? Parce que dans le fond, ça peut paraître paradoxal, c'est le sens que tu donnes à ta mort qui donnera du sens à ta vie. J'avoue que j'ai toujours été très perplexe face à l'absence de foi. Et pour moi, c'est un exercice intellectuel extrêmement compliqué, parce que j'ai le sentiment face à cela d'être devant un gouffre. Donc avec une espèce de peur, tellement pour moi la dimension de foi est une dimension intrinsèque à l'être humain. Cette dimension, ce gouffre, c'est un peu ce qui m'apparaît comme un des éléments les plus terribles de notre société occidentale dite postmoderne,
qu'il y a d'autres expressions de la foi. On peut penser à l'islam, on peut penser au judaïsme pour parler des monothéismes, mais on peut penser à des tas d'autres manières dont l'être humain a essayé de concevoir l'existence et de concevoir une transcendance dans son existence. L'idée d'une non-transcendance totale m'apparaît comme une espèce de gouffre terrible. Et je respecte, d'une certaine manière, quand je dis que je respecte, j'essaie de comprendre comment, dans l'esprit de quelqu'un qui est dans cette attitude-là, comment est-ce qu'il peut envisager la vie. Pour moi, c'est très compliqué. Il y a une dimension différente. L'agnostique admet qu'il pourrait y avoir quelque chose. Il se place dans une position de dire « moi, je n'ai pas trouvé ». Et ce qui me paraît déjà, en fait, en disant « je n'ai pas trouvé », ça veut dire qu'en fait, il cherche. Donc, il admet, par principe, qu'il pourrait y avoir déjà autre chose. Et donc, on n'est plus totalement face au gouffre. Il y a déjà une passerelle qui s'entraperçoit. Dans notre société, en tout cas telle qu'elle s'est un petit peu développée dans notre France contemporaine, à la faveur des grands mouvements philosophiques qui l'ont traversée, du matérialisme en particulier, du matérialisme athée, qui est quand même globalement véhiculé par notre société, par toutes sortes de moyens, on a eu tendance à penser que finalement, le croyant, c'était celui qui refusait de se poser des questions, et que dans le fond, l'homme, vous voyez ce que je veux dire, presque à la dimension nietzschéenne, l'homme, c'était celui qui, fort de l'assurance de sa non-croyance, était capable d'avancer. L'expérience personnelle que j'ai de la confrontation à la mort, l'expérience personnelle que j'ai de la brutalité de la violence dans notre vie humaine, me fait penser que c'est l'homme croyant qui est en fait le plus courageux. Alors ça peut vous paraître peut-être un peu provocant de le dire comme ça, parce que j'ai la conviction la plus profonde que l'homme croyant, c'est tout sauf celui qui ne se pose pas de questions. C'est celui, au contraire, qui ne peut être que questionné en permanence parce qu'il a la foi et qu'il y a un jeu entre sa rationalité et la foi, une espèce de tension qui se crée en permanence, et cette tension, elle est merveilleuse parce qu'elle est productive, en fait. Elle n'est pas du tout handicapante. Elle est ce questionnement permanent, je crois en un Dieu bon, alors comment se fait-il qu'il y ait le mal? Ce questionnement, il ouvre la porte à la réflexion, il ouvre la porte à une richesse finalement infinie. Et il m'oblige à une humilité, à une grande humilité, qui je crois est celle d'ailleurs aussi du philosophe, pas simplement du croyant, qui est à un moment donné, je sais que je ne sais pas. J'admets à un moment donné que j'ai des balbutiements. Un de mes professeurs, quand j'étais à Rome, le dernier livre qu'il a écrit à 94 ans, je crois, s'appelle, il avait fait de la philosophie, de la théologie toute sa vie, quasiment toute sa vie, en tout cas d'universitaire, et il termine, le dernier livre qu'il écrit s'appelle « En balbutiant l'indicible ». Vous savez, quand je vous ai dit juste ces trois mots, « En balbutiant l'indicible », j'ai presque envie de vous dire que je vous ai donné la réponse la plus belle que je pourrais vous faire. Qu'est-ce que c'est que la croyance et balbutier l'indicible ? Est-ce qu'il y a une baisse de la croyance? Je ne crois pas. Il suffit de voir le succès de toutes sortes de croyances hein, dans notre société actuelle, hein, où les gens se raccrochent. Hein, alors, qui a l'horoscope? Qui a... Enfin voilà, il y a des tas de croyances en fait. Les progrès de la science, j'entends par science par là, de l'agriculture, de la médecine, de toutes ces sciences qui concernent un peu notre bien-être, ont été telles que effectivement a pu s'installer, à partir du 18e siècle, 19e siècle et 20e siècle, une forme de positivisme, hein, c'est-à-dire on a cru à la capacité de la science, dans ce cas-là de plus restrictif, hein, le mot science, à tout régler, à tout régenter, étant appuyé en plus par effectivement un bien-être matériel globalement partagé, c'est la capacité de jouissance immédiate de bien matériel qui a amoindri la nécessité de la foi. Et j'insiste là, de la foi, c'est-à-dire amoindri la nécessité de trouver un sens ultime à la vie. En revanche, comme il reste quand même toujours un fond de question, et malgré l'opulence dans laquelle globalement nous vivons, la maladie est toujours là, la mort est toujours là. La crise Covid nous le rappelle d'une manière plus que prégnante. Les difficultés, enfin voilà, tout ce qui vient bouleverser dans nos vies, ce programme charmeur qu'on pourrait imaginer, alors on cherche quand même à trouver des solutions, et c'est là que, je reprendrai le mot, voilà, si vous enlevez Dieu, eh ben vous allez vous tourner vers des idoles.
Alors, les idoles, elles peuvent prendre des tas de noms. Hein. Alors, ça peut être les idoles, ça peut être dans le sport, ça peut être soi-même. On peut devenir soi-même la propre idole de sa vie, c'est-à-dire faire tourner toute sa vie autour de soi, mais on va se créer des idoles. Je pense que l'être humain a du mal à se penser lui-même sans aucune transcendance. En tout cas, si ça arrive, je pense que c'est réservé à des personnalités peut-être très singulières et un travail très profond que j'ai du mal à comprendre, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai du mal à comprendre ce travail, mais pour, dans le fond, est-ce que la recherche ultime de pouvoir se dire « je ne dois rien à personne », c'est très paradoxal, ça veut dire que je dois tout à moi-même. Donc en fait, c'est aussi encore une espèce de recherche de transcendance. Je me donne à moi-même ma propre transcendance. Je suis le début et la fin du tout. Moi, je trouve ça désespérant.